Bonjour ou bien bonsoir et bienvenue dans le cours anglais pour haïtiens. Dans le leçon aujourd'hui, nous pourrons apprendre qui est une phrase impérative, formation phrase impérative, et plus passer 26 phrases impératives qui plus utilisées dans la langue anglaise. Avant d'aller plus loin, je vais prendre le temps pour abonner à la chaîne. Pèsez le bouton like là et puis partagez le avec les amis pour plus de monde qui a gagné accès avec les leçons. Et bien, mes amis, on commence. Qui ça qui une phrase impérative? Une phrase impérative, c'est une petite phrase qui est utilisée pour passer l'ordre, pour faire demande, interdiction ou bien invitation, pour bail instruction, conseil ou bien avertissement. Exemple, suivre toutes les leçons honnêtes. Demande, pas jeter fatra dans la ria. Interdiction, annonce supporter une lot. Demande. Dans la langue anglaise, impératif là presque utilisé, j'en nous fait ça dans la langue haïtienne. En général, les utiliser pour même condition yo. Yo construit une façon différente par rapport à la phrase affirmative yo. Yo pas utiliser sujet parce que yo connaît de toute façon sujet a c'est you parce que dans l'anglais a gen de you. Donc you ka veut dire ou bien nous. Et puis les app construit yo juste utiliser infinitif verbe là sans tout. Donc pour nous faire une phrase impératif affirmatif, n'a suivre formule ça infinitif sans tout plus nom plus adjectif ou bien l'autre élément, plus point interrogation ou bien point final. Notez bien, formule là à utiliser le n'a parlé avec un seul monde ou bien plus passer un seul monde. Exemple, do your homework. Do your homework. Fais devoir. Fais devoir. Wash your hands. Wash your hands. Lave main. Lave main. Tell me the truth. Tell me the truth, bonne vérité. Tell me the truth. Tell me the truth. Nous bonne vérité. Be careful driving. Be careful driving. Fais attention le wap kon di. Pour impératif négatif là, n'a suivi formule ça. Do plus not plus verbe principal là sans tout plus nom plus adjectif ou bien l'autre élément plus point. Notez bien. Formule là à utiliser pour les n'a parler avec un seul monde ou bien plus passer un seul monde. Exemple, do not lie to me. Do not lie to me. Pas bon menti. Don't call me. Don't call me. Parlez-moi. Do not wash your hands on the dishes. Do not wash your hands on the dishes. Pas laver main sous vaisseau yo. Do not wash your hands on the dishes. Do not wash your hands on the dishes. Pas laver main sous vaisseau yo. Don't hit your friends. Don't hit your friends. Pas frapper les amis yo. Don't text me anymore. Don't text me anymore. Pas écrire encore. Si n'a entre tête nous dans commande là, dans conseil là ou bien dans avertissement, n'a utiliser formule ça. Let plus os, plus not ou bien sans not, plus infinitif verbe là sans tout, plus point exclamation ou bien point final. Dans ce sens-là, l'être veut dire un, et comme nous connaissons déjà, os veut dire non. L'important pour nous connaître, l'être plus os, souvent contracté en let's. Exemple, let's go. Let's go. En aller. En aller. Let's start the car. Let's start the car. An bati machine nan. Let's start the car. Let's begin the class. Let's begin the class. An nou komanse koua. Let's begin the class. Let's speak Chinese. Let's speak Chinese. An pale chinois. Let's speak Chinese. Let's not fight. Let's not fight. An pa goumè. An pa goumè. Let's play together. Let's play together. An jouer ensemble. An jouer ensemble. An nou pratique exemple sa yo. Let's practice these examples. Let's practice these examples. Tan mwen. Wait for me. Wait for me. Mete kode yo. Get out. Get out.
c'est pour gentil avec zami ou yo. Be nice to your friends. Be nice to your friends. T'en prie, reste tranquille. Please be quiet. Please be quiet. Fokou la à 5 heures. Be there at 5. Be there at 5. Ferme porte devant. Shut the front door. Shut the front door. Shut the front door. Shut the front door. Pas manger tout biscuit yo. Don't eat all the cookies. Don't eat all the cookies. Chauffez froid d'avance. Preheat the oven. Preheat the oven. Preheat the oven. Retire sou route mwen. Move out my way. Move out my way. Pote chan mwen. Clean your room. Clean your room. Pote yon vèt lo bam. Bring me a glass of water. Bring me a glass of water. Pigò jam touche telefòn mwen an. Don't ever touch my phone. Don't ever touch my phone. Bam yon plume ak yon crayon. Give me a pen and a pencil. Give me a pen and a pencil. Jouez avec intensité et courage. Play with intensity and courage. Play with intensity and courage. Play with intensity and courage. Pas jamblier moun ki remon lan. Never forget the person who loves you. Never forget the person who loves you. Pas excité pour tout bagay sans raison. Don't be excited about everything without reason. Don't be excited about everything without reason. Don't be excited about everything without reason. Prends soin, sinon pral tombe. Don't rush or you will fall. Don't rush or you will fall. Parete de yon anuit. Don't stay out at night. Don't stay out at night. Li an pil pou ka ameliore kompetans ekri yo. Read a lot to improve your writing skill. Read a lot to improve your writing skill. Ekri chak lò gen yon chans. Write whenever you get a chance. Write whenever you get a chance. Write whenever you get a chance. Tan pri padonim. Mba ka sispann remyon. Please forgive me. I can't stop loving you. Please forgive me. I can't stop loving you. Pa neglijem. Chak pou mdi se verite. Don't deny me. Every word I say is true. Don't deny me. Every word I say is true. Fè yon pa e pa deplase. Take a step and don't move. Take a step and don't move. Sonje m lo pati. Remember me when you are parted. Remember me when you are parted. Rele m lo kapab. Call me when you can. Call me when you can. Tan pri ouvri pòt la byen rapid. Please open the door quickly. Please open the door quickly.